Darling, on ne reste pas avec un homme simplement parce qu'on est resté trop longtemps avec, parce qu'on a trop investi émotionnellement, spirituellement. Coach, ça fait 5 ans que je jeûne et que je prie pour lui. Coach, ça fait 5 ans que j'investis en lui, 5 ans que je crois en lui, 5 ans qu'il m'a promis, il m'a promis. On a traversé seulement l'enfer, on a traversé le désert, on a traversé les moments les plus difficiles. Donc maintenant que ça commence à aller un peu mieux dans sa vie, tu veux que je quitte? Personne ne veut que tu quittes. C'est toi-même qui parles de quitter. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu parles de quitter? Parce que ça ne va pas. On ne reste pas avec un homme parce qu'on a trop investi. On ne reste pas avec un homme parce qu'on est resté trop longtemps. Ah, moi, j'ai supporté pendant 10 ans. Donc, je vais me lever comme ça et puis je vais repartir à zéro. Quand ça vaut la peine, oui. Est-ce que tu es prête à vivre encore 10 ans tel que tu as souffert 10 ans là? Dans l'humiliation là, dans les frustrations, dans le mépris. On te piétine tous les jours. Mais tu me dis que non, toi, tu ne peux pas laisser à cause de ce que tu as investi. Mais tu es prêt encore à investir 10 autres années de ta vie. On n'a qu'une seule vie. La vie est un cadeau, hein. La vie, là, ce n'est pas un jeu de poker où on tombe bien, on tombe mal. On prend des décisions que l'on assume pour changer sa vie et recalibrer les choses. On prend des décisions pour aller de l'avant dans un sens, dans une destinée que l'on veut. Si tu te sens bien dans ta relation, vas-y, mais tais-toi, arrête de pleurer, arrête de calomnier cet homme-là partout. Supporte, avale, encaisse, multiplie encore 20 années. Mais n'attise pas notre compassion, n'attise pas notre sympathie en venant avec des histoires tous les jours au nom de cette personne-là. Tu insultes cet homme-là, mais la nuit, tu dors avec lui. La nuit, tu couches avec lui. Qui fait ça? Qui se comporte comme ça? Tu le traînes partout dans la boue. Son nom est gâté dans le pays à cause de toi. Tout le monde connaît ses défauts, mais la nuit, tu dors avec. Tu vis avec, tu lui dis que tu l'aimes. Qui fait ça? C'est que tu as un problème. Donc, il faut t'assumer, il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux rester, reste. Mais ne viens pas nous dire que non, tu vois, à cause de ça, j'ai investi, j'ai fait ceci, j'ai trop souffert avec lui pour laisser une autre bénéficier. Bénéficier de quoi? Il continue à être le même tocard. Après avoir fait l'amour, quand tu te lèves le matin, tu te rends compte qu'il n'a pas changé d'un iota. Ça ne te dit rien. Il faut rester encore. Non, 5 ans c'est petit, oh, 10 ans c'est petit, maman, reste 20 ans, reste à vie, sois à vie avec cet homme-là. Ça va aller, vraiment beaucoup de courage pour toi. Ouh là là. Yeah.